Amen, chers frères et sœurs. Pourquoi nous prions pour nous rentrer à la caille, nous, pas vrai? Eh bien, raison yon moun vin l'église, si m vle baye trois raisons. Première raison, ou pas vin faire l'autre bagay, ou vin louer l'éternel, ou remercier le pour bien faire l'envers. Deuxièmement, ou vini, pour capable tende qui ça l'éternel gen pour le dire. Troisièmement, on vient pour capable prendre décision pour changer la vie ou pour marcher avec l'Éternel. Des boutons de message, il faut capable mettre en pratique. Ce matin, nous déjà gagnons un premier message avec Jeremiah Massillon, avec pour les enfants. Nous venons d'avoir encore Marvin Jean Baptiste, encore pour les jeunes en anglais. Nous avons entendu, nous venons d'entendre beaucoup de messages. Forgiveness. Sans le pardon, pas de salut. Pas vrai? C'est pourquoi Jésus nous a pardonné pour le bon nous salut. Et je dis, en nous rentrons ce deuxième sabbat de l'année 2021. Une nouvelle année. Une nouvelle page. Une nouvelle année. Une nouvelle page. C'est le titre message nous aujourd'hui, oui. Une nouvelle page. Lorsque nous page dans le monde, ou là pour écrire, pas vrai. Dans le ciel, il y a une page qui a écrit. Sur la terre, il y a une page qui a écrit. Moi-même, moi dois avoir une page dans le cœur moi pour m'écrire de nouvelles choses. Pour moi avoir la vie changée, pour me rapprocher plus près bon Dieu. C'est pas inquiéter nous des années qui changent. C'est pour nous inquiéter nous de comment relation nous y est avec bon Dieu. Si relation nous avec bon Dieu soignée, peu importe gens la vie a tourné li, nous pas besoin peur en rien parce que c'est pas nous qui contrôle là, c'est bon Dieu qui contrôle là. Ainsi, chers frères et sœurs, pour quelques minutes, nous tendez assez de messages. Nous pral retourner dans texte nous, c'est dans 1 Corinthiens chapitre 5 qui pral inviter nous qui ça pour nous faire une nouvelle page. Notre Seigneur et notre Dieu, mais nous petit tout en présence sous en ce moment. Nous tous, nous avons aimé une nouvelle page dans la vie, nous, pour nous capables d'écrire seulement de bonnes choses qui font plaisir et pour nous préparer nous pour ton royaume de gloire et de félicité. Pour cela, accorde-nous la puissance de ton Saint-Esprit qui est capable de transformer nous, fortifier nous et que nous capables de marcher selon ta volonté. Qu'il en soit ainsi, nous prions au nom de Jésus. Amen. L'apôtre Paul déclarait, côté que tu as pile problème dans l'église Corinthe, l'impudicité battait son plein. Et l'apôtre Paul venait pour exhorter. Ainsi, il dit que, car l'amour du Christ nous presse. Parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Et qu'il est mort pour tous, afin que tous ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Qui ça l'apôtre Paul invite nous faire là? Pour nous mourir. Parce que c'est dans la mort qui gagne la vie. Jésus mourit, remplace nous pour le bail nous toute la vie. Et il dit, puisque Jésus s'est lui mourit pour nous-mêmes nous capables de vivre, si nous vivons, n'a vivre pour monde qui mourit pour nous et qui ressuscité. Si n'a vivre, nous pas vivre pour tête non, mais n'a vivre pour Jésus. Ça veut dire que vivre pour Jésus. L'on vit pour un monde ou fait le plaisir, pas vrai? Ou fait le plaisir, ou fait ça qui fait cœur content, ou fait ça qui bien. Et bien l'apôtre Paul dit en tant que chrétien, pour nous une nouvelle page dans la vie nous, il a appelé nous également à une nouvelle naissance. Ça veut dire que vieil homme là doit passer et pour nous capables de venir au monde nouveau. Il dit dans Galates 2 verset 20, j'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi du Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Offrir corps nous en sacrifice vivant pour nous prendre une nouvelle décision pour nous vivre pour Jésus-Christ.
pour que la volonté de Dieu, c'est ça qui fait dans la vie, nous, chers frères et sœurs. Ces décisions, ça, nous, pour nous prendre. Il dit ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant, nous ne le connaissons plus de cette manière. Mais nous le connaissons selon l'Esprit. Et lui éviter nous, nous pas vivre selon la chair, mais nous vivre selon l'Esprit. Et Galates 5, 16 dit nous, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplissez pas les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit, et l'Esprit en a des contraires à ceux de la chair. Et ils sont opposés entre eux afin que nous ne fassions point ce que nous voudrions. Ça veut dire que nous pas qu'à vivre selon la chair des désirs charnels, et nous devons vivre selon l'Esprit. Et nous voyons dans Galates 5 là, bon, les œuvres de la chair et les œuvres de l'Esprit. Les œuvres de l'Esprit, c'est l'amour, la douceur, la patience, la tolérance qui permettent de vivre en bien avec frère, avec soeur, qui permettent de vivre dans l'amour, dans le foyer qu'on doit vivre, qui permettent également, qui mettent en haut le respect mutuel. Le respect mutuel, qu'il faut respecter les gens qui sont autour là, ou respecter les enfants de Dieu, et ou vivre avec eux dans l'amour, selon l'Esprit. Et la chair, les œuvres de la chair, c'est l'animosité, l'orgueil, l'avarice, l'ambition, et toutes sortes de choses pareilles. Pour vivre une vie nouvelle, nous devons vivre selon l'Esprit, pour ne pas accomplir les œuvres de la chair, pour que l'Esprit de Dieu imprègne nous dans cette nouvelle année, pour nous prendre de nouvelles décisions, pour nous vivre avec bon Dieu. Verset 17 dit, là, de Corinthiens 5, là, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Quelles sont les choses anciennes? Ce sont les œuvres de la chair. Lorsque je parle contre Christ, moi je vis selon moi-même. Mais si je vis contre Christ, je vis selon Christ. Et il faut me connaître comment Christ vit. Christ, il y a l'amour qui n'a pas parti pris. Il y a l'amour qui est cher pour tout le monde. Parce que il dit que c'est par l'amour que mon Dieu voit Jésus-Christ mourir pour nous, Jean 3, 16. Et mais Christ, si on vit selon une vie nouvelle en Christ, ou vivre selon l'Esprit, il faut apprendre à aimer le monde et respecter le monde. Il faut apprendre à vivre en paix avec le monde. Et qu'on est également Christ mourir, c'est pour lui capable de nous la vie, pour nous capable de la vie pour l'éternité. Il dit, quand Dieu était en Christ également, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, mais il a mis en nous le ministère de la réconciliation. Si nous vivons pour Christ, nous sommes des agents de paix, des agents de réconciliation. Côté de la discorde, nous mettons réconciliation. Et en ce moment, nous vivons dans le monde de l'injustice. Si nous vivons pour Christ, nous devons proclamer un évangile de justice. Social justice. La justice pour tous. Le monde a vivre dans l'injustice. Si nous-mêmes qui l'Église, nous devons pratiquer la justice. Parce que Jésus-Christ nous a imputé sa justice. Il nous a justifiés par son sang. Si nous sommes chrétiens, c'est pour nous vivre pour Jésus-Christ. C'est cette nouvelle naissance en nous pour nous prendre une nouvelle décision dans cette nouvelle année pour nous capables d'accomplir de bonnes choses à la gloire de Dieu pour nous aimer frères nous avec soeurs nous. Au sein de nous, qu'il n'y ait point de discorde, qu'il n'y ait point de division, mais que l'amour capable de régner, car nous dit l'amour du Christ nous presse. Si l'amour du Christ empresse moins, eh bien, la caille moins, c'est l'amour qui a sorti seulement le monde qui est autour de nous, il y a bien avec l'amour. C'est pour nous prendre décision, ça, pour nous capables de mourir avec Christ et pour nous capables de ressusciter avec elle. La mort dit que le vieil homme, orgueil qu'il a moyen, lui doit mourir. Médisance qu'il a moyen, lui doit mourir. Hypocrisie qu'il a moyen, lui doit mourir. Pour nous capables de vivre une vie nouvelle en Jésus-Christ, pour nous capables d'apprendre à aimer mes frères et sœurs et pour nous capables d'apprendre à respecter yo. À l'instar des chrétiens primitifs,
si nous sommes en Christ, et pour nous mener une vie nouvelle, dans Acte chapitre 2, nous avons lu avant verset 41 à partir du verset 41. Il dit, ceux qui acceptaient sa parole furent baptisés après que Pierre fut prêché. Vous connaissez l'histoire de la Pentecôte. Et en ce jour, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Maintenant, ces 3000 âmes, mais ça a fait. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. C'est quatre points essentiels. Il y a une nouvelle église en Jésus-Christ, mais qui ça l'invite nous à faire? Pour nous persévérer dans l'enseignement des apôtres ou dans l'enseignement de l'étude de la parole de Dieu. La parole de Dieu qui est une lampe à nos pieds, une lumière sous sentier nous, qui est capable de conduire nous dans le droit chemin, psaume 119, verset 105. Faut nous persévérer dans l'enseignement de la parole de Dieu. Et deuxième point, c'est pour nous capables de vivre dans communion fraternelle, fellowship. Faut nous aimer une l'autre, faut nous respecter une l'autre, parce que chaque monde créé à l'image de Dieu, chaque monde son petit bon Dieu lié. C'est ça, une communion fraternelle. Si nous réunis pour nous manger ensemble, pendant nous réunis pour nous manger ensemble, il n'y a pas qu'à un similac, son bagage qui doit sortir dans le cœur, nous comptons avec frère, nous, avec soeur, nous voulons fraterniser avec nous. Nous pas capable de chanter fraternité, céleste, saint, ce n'est qu'en Christ qu'on te connaît. Il n'y a pas qu'à arrêter en Christ seulement. Si moi-même en Christ, pour fraternité, ça a venu dans moi tout, pour le manifester avec frère, moi, avec soeur, moi. Dans cette nouvelle année, nous invitons-nous pour nous avoir l'amour sincère. L'amour sincère pour nous respecter le monde. Vous voyez? Je n'ai pas besoin de connaître qui hôtel, je n'ai pas besoin de connaître qui plombe, qui diplôme, qui vient plombe, mon nom est gagné. Mais si on est créé à l'image de Dieu, je dois le respect. Je dois le respect. Et bien, je dis, l'on ne pas respecter le monde, priez pour lui. Il est en danger parce que depuis qu'il ne respecte pas le monde, ou a dit ça, moun nan s'il pas respecter moun la vache, de vous pas respecter moun, c'est pas œuvre bon Dieu a fait. M'a koné œuvre qui moun a fait, mais c'est deux kan gen. M'a dit l'autre là, vous pas fâché. Mon ka déterminé. L'on pas respecter moun, c'est pas bon Dieu a servi, c'est l'autre l'on a servi. Ça veut dire que, si nous avons une communion fraternelle, nous avons l'amour l'un pour l'autre, bam dou anti bagay, ou pas besoin plus pour l'église l'en remplir. Parce que dans ce monde n'a vive actuellement, monde là, il a besoin de côté le cas de repos. Il a besoin de côté le cas de monde qui apprécie parce qu'il a dévalorisé tout le monde qu'on y a, c'est pas vrai? C'est une question de pouvoir, c'est pas vrai? Mes frères et sœurs, dans cette nouvelle année, si nous avons gardé le pays, nous, là, le pays n'a pas vivre là, il n'y a pas là. Quand on y a, il y a où? Ça qui a passé, ou qui a arrêté d'abdormir en tant que chrétien, nous avons l'évangile pour nous prêcher. Nous avons l'évangile de justice. Nous avons l'évangile avec respect. Nous avons l'évangile d'amour parce que Christ remet nous tous. Mais bon, nous avons un petit bagage en passant, un petit cliché. Pas inquiète de ce qui a passé, non? Restez dans la prière parce que y a un monde qui est en contrôle. I'm certain. God is always in control. Pas, des fois, on ne peut pas courir parler dans ce qu'on a fait. Non? Peut-être qu'on a parlé mal. Parce que les bons dieux ont fait route, les routes sont étranges. Nous voyons ça. Les étranges. Et puis, peut-être, où est ce pasteur Mas qui campait là, qui a prêché, ou qu'on est là, qui a fait route, c'est pasteur Mas qui l'a utilisé, il passe, il prend, il nous méprise et il l'utilise pour le faire route. Ça veut dire que c'est pour nous respecter tout le monde, nous ne pouvons pas compter l'éternel à passer, pas vrai? Ça veut dire que dans cette nouvelle année, on prend des nouvelles dispositions pour nous vivre pour Jésus-Christ. Cette communion fraternelle, l'été au sein des chrétiens primitifs, ils ont été vivants, ils ont été partagés tout ça, ils ont gagné parce qu'ils ont parlé de l'autre monde souffrir, ils ont mis en commun. Ils ont cher, tout le monde. Si on a souffri, souriez, il faut soulager, pas vrai? Il faut supporter, c'est l'amour fraternel l'un pour l'autre. Après cette communion fraternelle,
Yo te allé dans fraction du pain, hein? Yo partagé ça yo gagné, yo metel parce que yo n'était sensible pour l'autre. Et lorsque nous vivons cela, quatrième point qui est essentiel pour vous, en tant que chrétien, nous devons persévérer dans la prière. Dans la prière. La parole de Dieu nous dit prier sans cesse. Prier sans cesse, pas doué sous genou ou pas lever, non. Pendant que je dis prier sans cesse, je dis non, tu vas gagner. Et là où je dis prier sans cesse, messieurs, mes frères et sœurs, ce n'est pas mettre à genoux et puis vous mettez mon à genoux tout et puis vous ne pouvez pas lever, non. Ou vous priez manche longue, manche longue, manche longue, ou à prier, prier. Non, non. Yep. Madame m'a conseillé ça, le douleur, réunir tout le monde, pas prier longue, fait tout soit fait bref. Comment? C'est pas ça, n'a pas dit, non. Prier sans cesse dit que même l'Europe marche, cœur en communion avec mon Dieu. Même l'ordre est volant, cœur en communion avec mon Dieu. Pas vrai? Moi, je me fais expérience ça souvent parce que les trafics, je ne vais pas trafics trop. Je me dis, bon Dieu, ouvre moi. Et des fois, elle ouvre, vrai, mais des fois, elle n'est pas ouverte parce que elle n'est pas ouverte, là, c'est bien, là, elle ferme toujours. Oui. Des fois, elle n'est pas ouverte, là, elle arrive et puis devant, on a un accident. C'est pour nous patients, c'est pas vrai? C'est pour nous patients. Mais nous voulons que, chers frères et sœurs, chers amis, il faut dire la vérité. Les musiciens, les chantes, les techniciens dans l'église Mont des Oliviers, I feel that si nous laissons bon Dieu prendre la vie nous, l'église Mont des Oliviers, les grandes, la devenir une plus grande encore église. Si tout le monde mettait main ensemble, nous ne demandons pas qui ça l'église n'a pas le faire pour nous, nous dit qui ça n'a fait pour l'église nous pour le better et pour nous mettre nous ensemble pour la prédication de l'évangile. De l'évangile. Et ces quatre points, nous les voulons quitter avec nous. Premièrement, pour nous avoir une nouvelle naissance, il faut nous mourir. C'est pas vrai? Mourir en Christ, parce que Christ mourit pour nous. Nous-mêmes, si nous vivons, nous devons vivre pour Jésus, pour Jésus-Christ. Et si nous vivons pour Jésus-Christ, pas de l'autre moyen pour nous connaître la volonté de Dieu que l'étude de sa sainte parole. Nous invitons-nous à retourner dans l'enseignement des apôtres également, à faire la Bible notre boussole. Notre guide pour nous étudier la parole de Dieu. Lorsque nous étudions la parole, lui enseigne nous l'amour pour nous capables de vivre dans une communion fraternelle, pour nous vivre avec frères nous, avec sœurs nous, pour nous aimer l'un l'autre. Et en même temps, dans un monde aujourd'hui, il y a des millions de personnes en emploi, mais perdent du travail. Si vous avez mangé, il y a un monde beaucoup où vous avez aimé si vous avez mangé tout. Pas vrai? C'est pas dit. Des fois, les gens sont tellement gauche, ils disent ça n'est pas un problème. Pam. Ou à manger, ou à jeter, et pour ne pas penser que l'autre monde qui a un goût de retour. Ça, c'est l'évangile. Là. Jésus vini, comment il commençait à manger avant de faire parole. C'est pas vrai? Fraction ou partager, ça a gagné. Et après quoi, nous persévérer dans la prière, parce que notre délivrance vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Lorsque nous recourons à la prière avec un cœur sincère, nous unissons ensemble, bon Dieu attendez-nous. Parce qu'il dit que si mon peuple, sur qui est évoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, je l'exaucerai des cieux, je pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Pays nous malade. Haïti, ce n'est pas malade, il dit malade seulement, l'eau lit des morts. Mais si nous sommes sincères, bon Dieu, qu'a guéri, oh, c'est pas vrai. Chers frères et sœurs, chers amis, dans cette nouvelle année, on nous fait une consécration totale. On nous mène une vie de sanctification. Et que l'Esprit de Dieu imprègne nous. Nous ne pas vivre pour nous vivons pour Christ. Et si nous mourons pour Christ, qui ressuscite pour nous, bientôt, très bientôt, Jésus a retourné, l'a vint chercher nous et nous vivons avec lui pour le temps et pour l'éternité. Que le Seigneur vous bénisse.